Bonjour frères et sœurs et merci de votre fidélité. Que propose Jésus à la personne qui s'approche de lui, si ce n'est un bien si grand qu'il dépasse tous les biens que nous accumulons et qui bien souvent ne sont que passagers et provisoires? Jésus propose un bien qui demeure. Quel est-il? Jésus propose que nous participions à la vie d'amour de Dieu. Viens, suis-moi. On se souvient de ce qu'écrivait l'apôtre Paul aux habitants de Corinthe. Vous cherchez à obtenir ce qu'il y a de meilleur, eh bien, je vais vous indiquer une voie supérieure à toutes les autres, l'amour. Or, amour est le nom propre de Dieu. L'apôtre Jean nous le rappelle, Dieu est amour et il ajoute que ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais que c'est lui qui nous a aimés et qui a envoyé son Fils. Laissons l'amour de Dieu nous rejoindre dans nos existences de vie. Reconnaissons que nous avons besoin d'un maître pour grandir en humanité et nous épanouir dans une vie épanouissante et source de vraie joie. Jésus dit « Viens, suis-moi ». Voilà notre maître, notre guide, voilà notre chemin. En nous invitant à le suivre, Jésus dit qu'il nous aime. Il nous aime pour ce que nous sommes, dans notre fragilité, notre faiblesse, pour que touchés par son amour, nous puissions être transformés. C'est pour cela que Jésus invite la personne qui vient le trouver pour connaître le chemin de la vie éternelle au dépouillement. Dieu doit prendre place en nos vies, souvent trop encombrées. Cette demande de Dieu ne veut pas nous démunir, mais nous enrichir de sa présence. Chez nous, souvenez-vous de sa demande à Zachée. Zachée, descends vite, aujourd'hui, il faut que j'aille demeurer dans ta maison. En venant chez nous, Dieu vient nous recentrer sur ce qui est essentiel et vital. Il nous aide à discerner ce qui est juste et bon. Apprends-nous, Seigneur, comment nous libérer des choses qui ont une emprise sur nous. Elles nous empêchent de te suivre de plus près. Aide-nous à comprendre que nos vies ne sont pas le trésor que nous recherchons. Aide-nous à construire le trésor durable d'une relation forte avec toi. Dieu seul est bon et son amour est éternel. Bonne journée à toutes et à tous. Prenez bien soin de vous et des autres.